Fin tragique pour deux étudiantes de l'Institut national de formation des agents de la santé, INFA, de Daloa. Selon les informations de sources concordantes, ces deux étudiantes en stage à Benon dans la région de la Maraoué ont perdu la vie dans un accident impliquant un camion de transport de marchandises, un taxi-moto, le lundi 12 décembre 2022. Les dénommées I.A et I.L n'ont pas eu la chance de survivre à cause du choc viol de l'accident. Nous apprenons qu'elle était en première année option auxiliaire des soins infirmiers en stage à l'hôpital général de Benon. Malheureusement, elles ne pourront exercer le métier pour lequel elles y ont consacré leur vie. Fin tragique pour deux étudiantes de l'Institut national de formation des agents de la santé, INFA, de Daloa. Selon les informations de sources concordantes, ces deux étudiantes en stage à Benon dans la région de la Maraoué ont perdu la vie dans un accident impliquant un camion de transport de marchandises, un taxi-moto, le lundi 12 décembre 2022. Les dénommées I.A et I.L n'ont pas eu la chance de survivre à cause du choc viol de l'accident. Nous apprenons qu'elle était en première année option auxiliaire des soins infirmiers en stage à l'hôpital général de Benon. Malheureusement, elles ne pourront exercer le métier pour lequel elles y ont consacré leur vie.